Alors. Re-coucou tout le monde. Alors, C'est bon, j'ai pas une mise à jour de Palworld. On va pouvoir y aller. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été sur Palworld, donc... On va voir ce que ça donne. Allez, récupérer Monsieur Zouille. Alors, dans les créations, j'ai vu... Oh, oh si, le Stitch est mignon. Oh, le lion, il est trop beau. Le lion, il est carrément trop beau. Mais le Stitch est mignon, hein. Hop, je vais me mettre live Twitch. Normalement, Mazou, il va se pointer. Ah ben voilà, en retard comme d'habitude. On dit bonjour. Bye. Non, c'est pas faut que j'ai. Bonjour avant d'agresser les gens, monsieur. Route. Alors, pourquoi t'es pas fort sur mon Discord? T'as les deux questions? Parce que tu m'amutes. Mais t'es à 200%, Christy, moi t'entends. Pas sûr, pas sûr. Tout est moindre pétition. Pas sûr, pas sûr. Faut que je fasse rejoindre avec un code d'invitation, j'imagine. Ouais, maintenant, ouais. Ok, bah ben, c'est quoi le code? Non, honnêtement, je préférais le système d'avant, moi. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, ouvre le code, là, moi le rentrer comme tu ça. Tu peux pas l'ouvrir. Non, non, mais... Enlève l'œil avec la barre, là, puis moi le rentrer chez nous, ça veut dire. Bah, je te l'ai envoyé, c'était plus simple, ça faisait copier-coller. Je te l'ai envoyé sur le Discord. Tu vois, c'est bien plus simple comme ça, c'est bon. 4 secondes. Pour écrire le code. ADN, ça prend pas mal de temps. Ah la petite musique de The Log dans le porte en arrière, di. Hein? Je sais même pas où j'étais rendu. Là, je te dirais que je sais même pas c'est quelle partie que j'ai repris, hein, donc... On était... Voilà, c'était une des parties qu'on a fait ensemble, alors laquelle... Ça a l'air de bosser dur chez nous, c'est tout ce que... apparemment... C'est dommage que le monde a abandonné le jeu, en vrai. Beaucoup de monde qui joue. Pas faux. Il y en a, mais. Ce sont là aussi du jeu. C'est ça. Après, beaucoup ont passé énormément d'heures dessus et au bout d'un moment. C'est ça quand on ne va pas avec parcimonie, tu sais. Moi, je veux bien l'objet, là. Un lance-missile. Hey, tu t'imagines? Oui. Avec toi, un lance-missile. Orca qui est sur le live, est-ce que tu pourrais me dire si tu entends le Discord et tout, ou si... Non. Non, pour de vrai, s'il te plaît. Peut-être. Ben, je sais pas, mon son, il est pas ouvert, ah oui, mais voilà, ouais, mais quand...
Ah, tu me dis non, après moi je crois que c'est non, et alors que... Incubateur. Parce que le jeu il est bien, mais c'est parce qu'en solo, les gros boss sont. Je sais pas si on faisait avant solo en vrai. Oh, ils doivent être faisables, après à Ouais, je quel regarde ça. degré de faisabilité? Fait qu'à partir de lundi, je risque de ne plus du tout être dispo jusqu'au moins au 26 juillet. Au 26 juillet. Oui, 26 août plutôt, oui. Ça, ma mère elle va garder 2 semaines d'affilée. Fait que là, je suis sûr. Ok. Peut-être les fins de semaine, à la limite, mais après. Par... Ouais. Là, ma question qui tue, là. Hein? Est-ce que je peux. Non, je veux pas démanteler de camp, non, non, mais je peux-tu me TP en vrai? Normalement, oui. Ah, sûrement parce que là, je suis trop plein, fait que je peux pas. Ah, ah tiens, j'ai trouvé du cuir. Du cuivre. Du cuivre. Du cuir. De la Un roche. truc, un matériau. Voilà. Ah ouais, je peux récolter ça avec une hache. Eh ben. Alors, je suis pas vraiment sûr que ça fonctionne vraiment, oui. Ils ont. Ouais. Ils ont rajouté dans le jeu, comme dans Pokémon, des dresseurs qui peuvent t'attaquer. Ouais. Ouais, ben, je suis bon. Ouais, ton jeu, là, ton jeu de litière, là. Je sais pas si quel jeu je parle depuis le temps qu'on y a joué. Oui, de je l'y tiens, oui. Eh ben, j'ai réussi à aller jusqu'à la fameuse porte qui est en arrière. Voilà. En D'accord. arrière de la fameuse porte, si tu préfères. Bon. Ben voilà. C'est tout. Il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Ok. Et C'est complètement nul. Voilà. ah ouais? C'est rien. C'est un. Hein? T'as fini le jeu direct ou c'est... Ouais, non, t'ouvres la porte, le jeu est fini. J'ai fini le jeu, c'est fini. Merci, bonsoir. Ils vont Ah pas ouais, ils m'amener ont dans le pas fait une jouet. suite avec une nouvelle map, un nouveau truc à faire. Non, non. Là. Ben, ils vont sûrement avoir une mise à jour pour des ajouts parce qu'il y a Peut-être, une ouais. map au côté d'une porte qu'on ne peut pas ouvrir du tout. Mais il y a une map que tu peux pas aller voir en fait. Au moins, ils vont mettre une suite à m'emmener, mais pour l'instant, une fois que t'as tout purifié, pis t'as fait l'île, ben y a plus, c'est fini, y a plus rien. D'accord. Puis les trucs, t'as pas déblo tu débloques pas grand chose, à part le truc pour pouvoir glisser sur l'eau. Pour aller sur l'île qui est de l'autre côté de l'eau. Ouais. Ben c'est ça, ouais, ton robot il peut glisser sur l'eau. Pour Oui. un temps limité, hein, on s'entend. Il n'existera pas à l'infini. Ouais, Mais je enfin, l'avais sur ma coup, carte. sur coup, ça finit un peu en... Ah. CAKO. Voilà. Construire une table pharmaceutique archaïque, je sais pas, je sais pas. Casseur. Non, je n'ai pas la table pharmaceutique. Ils l'ont dit, hein, de toute façon, que le jeu a une durée de vie de 10 heures. Fait que.
Ouais, enfin, ils auraient pu faire une fin moins bateau, quoi. Moins, voilà, je t'ai mis la fin, débrouille-toi. T'as un petit message pour me dire merci d'avoir joué, vous avez fini le jeu. Bon. Youpi. Allez là. Ah ouais, c'est au niveau 12. Okay. Coucou Lilis. Ah Lilis, tu veux venir jouer? Game Pass Lilis. Vous avez pas le voir sur quelle plateforme? Bah, sur Game Pass, comme d'habitude. Je pense que c'est mis à jour au même titre que Steam, je pense. Oh, je pense, ouais. Parce que là, à un moment donné, il faut pas qu'ils se mettent à jour lui avec. Il faut pas laisser la vieille version de base sans mettre à jour. Je peux comprendre qu'il y a un petit délai avant d'avoir la mise à jour Steam, mais là. Ça, c'est un bon petit jeu que tu peux faire en solo aussi. Bon, c'est un petit peu nul là, mais c'est faisable. Tu portes trop de. Je sais. De quoi? La map est là, ça va être long. Ça va être long. On peut-tu. peux-tu jeter. Pourquoi j'ai des balles de fusil d'assaut? J'ai même pas d'armes. Peut-être que t'as drop ça sur un des mecs quand t'as zigouillé. Il faut que je l'installe avec le Game Pass aussi. Bah ouais. Bah il est pas. Le jeu il fait pas 60 gigs, hein. Je pense qu'il fait même pas 10 gigs ou 20 gigs. Je voyais pas si vous. Je suis en train de regarder. Pourquoi moi je l'ai avec Steam? Bah peut-être parce que toi tu l'as déjà eu, tu l'as déjà joué avec Steam. Et que nous on l'a pas sur Steam. Ah, est-ce que le cross-platform maintenant est activé? Je ne sais pas. Ah ouais! Vois-tu, je savais pas cela en vrai. De quoi? Firewall, il a été pensé pour jouer solo et non en multi. Ouais. Fait que théoriquement, t'es censé être capable de tout faire solo en vrai. Ben, s'il est multi, mais il est pensé pour jouer solo aussi. Si tu l'as sur Steam, le problème c'est que je sais pas s'il est cross-platform, donc je peux pas te dire, Lilis. Après, je parte à l'aventure choper des. Je sais pas non plus. Faudrait se renseigner. Ça pour me dire. Hey, t'es sur internet, puis tu regardais. Bah, Lilis aussi, elle pouvait, hein! Parle dans ton équipe des Calivas, des Calivas, des Calivas. Ben, je veux pas que des Calivas, moi. Ça prend la place d'un des Calivas. Alors, merci. Le jeu n'est pas cross-play. Cross-save, je veux dire. C'est-à-dire que tu peux pas transférer tes sauvegardes du Game Pass à Steam, genre. Ouais. Et est-ce qu'il est cross-platform? Sélectionner paramètres dans paramètres. Sélectionner l'onglet compte et confidentialité. Et descendre jusqu'à confidentialité. Autoriser le jeu multiplateforme. Oui, mais il faut que tu l'autorises. Il est multiplateforme, mais il faut que tu le mettes sur ton compte, en fait. Ça, c'est avant de lancer ton jeu, je pense que tu fasses ça.
peux, mais il faut que tu quittes le jeu et que tu ailles le mettre en marche, en fait. Faudrait qu'on fasse incubateur, mais je sais pas comment on fait. Sur le premier boss pour avoir l'incubateur, voilà. Bien, chef. C'est marqué ici. Mais il y en a gros qui font les boss solo. Le premier, tu peux le faire au niveau 17 sans problème. Oui, bah, faudra qu'on y aille ensemble. On le fait en multi, c'est pas pour le faire solo. Tu peux faire les boss solo, comme je te dis, mais il faut que tu sois 17. Oui. Et moi, ouais. Je dis. J'avais entendu ta phrase, hein. Je dis juste que comme on le fait en multi, autant les faire ensemble plutôt que de faire chacun de son côté. Oui. Ben ça je te dis, mais ça je te dis. Je pense, parce qu'il te faut un point technologique. Je crois que j'en ai... Non, technologique antique. Ouais, ça c'est les boss, ça, je pense. Le truc, tu sais, dans le mauve, en fait. Dans la section niveau 7, au bout, t'as une section mauve, c'est technologie antique. T'as un incubateur là-dedans. J'ai vu quelqu'un qui a mis un œuf dans son incubateur. Ouais. 2 ans pour qu'il éclore. Je pense que c'est 2 ans réels, là. Pas 2 ans dans le jeu, là, parce que ça serait trop facile. Là. Après, maintenant, ça va être 2 ans dans le jeu. Ah non, après 2 ans. Eh, t'imagines 2 ans réels, toi? Attends. Jamais personne va faire incuber des œufs dans. Attends. Incubateur. Ah si, je le télécharge avec le Game Pass, t'inquiète. Bah, comme tu veux. Cool. Il me sort, je demande des trucs. Quoi? Il me sort des vrais incubateurs pour dans la vie. Allez, vas-y, va faire des incubateurs de vrais œufs. Bon, marqué Power World, ça va peut-être aider. Ouais, alors si tu mets plus de descriptifs, tu devrais avoir un... Ok, ça je le savais. Ok, il savait des trucs. Je veux savoir si c'est vraiment le premier boss pour avoir un incubateur ou si c'est moi qui est complètement dans le champ. On s'en fout. Ça, tu sais, faire éclore, vous allez trouver dans la zone. Nanana. J'en ai un, tu as. Ça me dit que c'est une nouveauté, mais il me dit pas. Et voilà. Comment entrer dans un incubateur? Quoi? What the fuck? Ah ouais, mais. Bon, regarde, on va faire un truc. Ça, on fait genre point antique. Pas un point antique. Jeuxvideo.com, c'est pas le site idéal, même. Ah, bah non, c'était mes premières fois que je le prenais, celui-là. Vixie. D'accord, Kata. D'accord, Zazoui. Ok. Je me suis complètement planté. Ouais. Boss, c'est les boss que tu trouves sur la map monde et non dans les donjons, en fait. Ouais. Tu sais, les trucs genre au niveau 37, que l'éléphant 37 qui se promène, tenez un boss. Ça. D'accord. Fait que c'est ça. Faut que tu les tues pour avoir les points antiques. Je crois. Je sais plus. Non, ça c'est des donjons, mais on s'en fout pas trop. Non, je pense que c'est raison, c'est les taux. Oui, je suis très précis quand je parle, oui. Non, c'est ça, j'avais raison.
C'est les taux, c'est les gros boss dans les taux. Les taux pas tuables là, sont extrêmement difficiles à tuer. Là. Je te vois au loin, Kata. J'arrive à 2 à l'heure, mais j'arrive. Bon, je me promène, je sais pas du tout où je suis rendu, mais je me promène. Je sais plus, on peut-tu nonger dans le jeu? Non, je pense qu'il y a de l'endurance. Non, t'as de l'endu, ouais. Mais escalader, c'est pareil, t'as de l'endu. Ben là, je suis bloqué de l'autre côté de l'eau. Comment tu veux que je traverse de l'autre côté, s'il te plaît? Ben t'as pas un Pokémon qui vole? Attrapez-les tous. Ça. J'ai un lama. Ça vole pas. Ça crache. J'ai le renard de feu, j'ai le singe. J'ai la langue de chat. Wow. Ben, j'ai un chat. Ça. Non, t'as sa langue. T'as pas le chat. T'as que sa langue. Mais non, j'ai pas de Paul qui vole. Une arbalète enflammée. En broyant. Un fusil à mousquet. Une matraque électrique. Et wow. Ça va pistolet rouillé. Bah, il peut être efficace, il te file le tétanos en même temps. Si t'échappes à la balle, t'as le tétanos. De production d'armes. Ah, fait que le lance-missile, c'est l'objet le plus fort du jeu que tu peux avoir. Un pistolet Gatling. Lance grenade. Barrière à glace. Grenade à fragmentation. Destructeur d'épaule. Une installation pour découper automatiquement l'épaule introduite. Ah, c'est un peu violent quand même. Ouf. Du coup, je sais pas si tu as lu, mais au final. Bon, du coup, ça donne rien. Et puis, voilà. Fait que pas loin d'être tranquille pour moi. J'espère que je vais pas perdre mes trucs dans l'eau parce que là. Et normalement, tu pouvais te TP chez toi. Quand t'es trop plein, non, tu peux pas. Pas plein. Si t'es trop lourd, tu peux pas te TP. Il se fout de la goule du monde, ouais. Je pense que j'ai peut-être des chances que je finisse noyé, en fait. Bah, respire, mon ami. Je suis pas loin de la base, en plus. Ah, purée, je tombe sur des braconniers, évidemment. Je sais même pas où je suis rendu, moi. Faut que j'escalade aussi. Ah ouais, bah c'est mort. J'ai plus d'endurance. Ah bah si tu veux pas nager, l'escalade, ça va être mort. Par contre, c'est la Casa del Polos. En vrai, il y en a une qui va me reste. Quoi? Que dalle. Elle est où la Casa del Polos? A, B, C, D, E, F, G. Je suis pas lourde, j'ai rien dans mes poches, sérieux. Ouais. Ah, ben j'ai plus de durance. Oh, je parlais de la vie. Ok. En matin, j'ai juste à manger, en vrai.
Pas grave, on t'en veut pas, hein. Fuck. Je suis mort. Je crois, ouais. Ah. On peut pas escalader quand t'es mort. Ah ouais. Allez. Je fais l'étoile. Je suis mort. M'en fous, je suis mort devant la maison. Bon, c'est où mes trucs? Voyons, tout le monde, me semble que je suis mort à côté de la base, sont les affaires. Bonjour. Par là-bas, peut-être. Attends, peut-être plus par là. Ah, ok, ouais, ils sont par là-bas. Ah, ben super! Ils ont remis mon stock de l'autre côté de la rive, en haut de la montagne. Voilà, je retraverse encore à la nage. Parce qu'il n'y a pas vraiment de solution à pas faire le tour. Alors, moi, je te préviens, je suis parti en promenade. J'ai découvert des trucs, je sais même pas du tout où je suis. C'est dans le jeu. Peut-être. Mais pas sûr. De ma gueule, j'étais à trois. Non, ben vas-y, va te noyer. Allez, vas-y, noie-toi. Allez, mon stock va rester en haut de la montagne. Tente pas d'aller chercher. Voilà. Va chez le diable. Hop. Voilà. Ah. On dirait une ballerine. J'ai une jambe hors de l'eau puis une jambe sous l'eau. Faut que je check de quoi. Si j'appelle un Paul, est-ce qu'il peut? Hey, en vrai, les pâles, là, ils peuvent pas me servir d'inventaire ambulant, en vrai. Il y en a, si. Pourquoi? C'est lesquels? Ah! Elle, peut-être? Hop, je l'ai lancée dans l'eau. Attends. Hein? Non, alors si tu la noies, pas sûr qu'elle te sert d'inventaire. Que là, mes sacs sont à l'autre bout, en fait. Attends, on va essayer de grimper par où. Hey, j'ai un lama qui me sert. Me servir de monture. Salut, pas... si jamais t'es en train de mourir de faim. Ouais, j'étais un peu au courant, mais ça va, ça se passe bien. Kata, elle, là, à 100 fois, elle laisse ses persos mourir de faim. Elle n'a rien à cirer. On va
va prendre mon stock sans tomber à l'eau. Ah ouais? Pourquoi? Oh, c'est drôle quand tu tombes à l'eau, non? On prend tout. Voilà. On va prendre mon lama. Mon lama qui est en train de s'éloigner, je ne sais où. Je suis en train de courir en arrière comme un. Bref. Alors. Je peux embarquer sur mon lama, mais je marche aussi vite que si je. Bon, pas le voir pour ce soir, ça va être mort. Bah ouais, ouais, c'est ce que. Ouais. Le temps que tu l'installes, ouais. Non, bah après, c'est pas grave, Lily. Tu peux pas, tu peux pas. Là. Moi, je te l'ai proposé, mais c'est pas. Tu peux pas, tu peux pas. Ah, je peux couper des arbres avec mon jet d'eau. On va reprendre aussi Kato à toujours envie de jauger, bien entendu. Démanteler le camp. Ça fait cool. Bon, ben on va arriver à 1 km à l'heure, écoute, si je dis. J'ai pas d'habitude, hein. Alors, ça. Mais c'est quoi qui. C'est le fer qui est là. Le fer fait quand même 464 en. Pour. C'est ça, ouais, qui est lourd. Ben, on a besoin de fer, je sais pas, pour le dumper à terre. Puis oui, mais peut-être en prendre moins. Ou alors. Prendre la pale qui peut emmener. Un pale qui peut emmener, ben j'en ai bien un. Mais... Ben même si je jette ça à terre, vas-tu le ramasser? Si tu lui demandes? Non? À part me regarder. Il fait pas grand chose. Non. Voilà. La nouvelle, c'est que. Ouais? Je suis accroupi et je sais pas comment me relever. Bonne question. Bon, ben, il va rester accroupi. T'appuies sur quelle touche? Je sais pas quelle touche que je vais appuyer. Zazouille ses expériences. Option. Commande. Comment me découpir?
Ils disent pas comment. Ah oui. Ah mais sur manette, bref, ouais, sur clavier aussi ça reste pareil en vrai. Ah, moi je joue manette, moi. Bah, je fais B. Ah, faut que je le maintienne. Okay. Ok, faut que je maintienne B pour que tout ça marche. Ça va être long avant que je m'en... Ouais. Mais tu sais, Lily, tu peux venir en vocal pareil si tu veux, hein, même si tu joues pas. Ah! La météo m'a envoyé un avertissement de quoi? Ah, ok, des la tempête tropicale débit. Je lui manque trop. Ouais, ça doit être ça. Ok, tiens, pour m'avertir qu'on va peut-être avoir des. De la pluie diluvienne. Des grosses quantités d'eau. En moi, j'aimerais récupérer des. Let's fire up a little. Ah non, mais que, ta voix manque à Keto aussi, pas juste à moi, là, ouais, ouh. Alors. Ah, ben voilà, une paire de pales, hop. J'arrive, Kato. Je devrais être là pour le souper dans 2 jours. D'accord. Je vais essayer de pas mourir de faim d'ici là. Ouais, c'est ça les listes quand tu télécharges à 50K. Mmh. Alors. Attends, y a-t-il un truc que je peux jeter que j'ai pas besoin en vrai, de vrai? Du cuir, c'est pas ça le plus lourd en vrai. Mais... Elle a dit je lui permets pas à ce monsieur fan de moi. J'ai plein d'œufs. Ah, les œufs, pas. Non, ouais, c'est vraiment le cuir. Ah, c'est vraiment le cuir qui est le plus lourd. Le reste, ça vaut. Alors. Ah, organe d'alimentation. Donc, je sais que t'es fan de moi, toi aussi, Lys. Tac. Kata, arrête pas de me le dire. Mm-hmm. C'est quoi, tu voulais une table de pharmaceutique, je sais pas quoi. Ouais. Faut évoluer le camp encore un coup. C'est au niveau 12. C'est au niveau 12 que tu as débloqué. Ouais. Et donc? Ils ont rejeté un bâtiment pour habiller tes portes et leur mettre des lunettes, des chapeaux, bien sûr. Mm-hmm. C'est quand même inutile, mais bon, pas grave. Totalement. Ça peut être drôle, mais après. Et donc? Ouf. Technologie. Pharmaceutique archaïque, niveau 12. C'est ça. Je suis 9. Hey, ça va être long en vrai, là. Oh, je suis en train de... J'ai passé devant la porte pour... voilà.
Toi, t'es à quoi, toi? Ben écoute, je fais le tackle du futur. Ça me permet d'avancer peut-être 2 km plus vite. Et ça donne quoi? Ça donne que j'avance très légèrement plus vite. Ouais, mais est-ce que ça va donner que tu vas arriver à un moment donné? Puis, s'il y en aurait une qui pourrait venir prendre la moitié de mon fer, je serais déjà rendu. Déjà, je rien. Ben, j'ai rien entendu. Je t'ai dit, s'il y en a une qui peut venir chercher la moitié de mon cul pour vider mon inventaire, je serais déjà rendu à la maison très longtemps. Et ce message est censé être s'adresser à qui? À personne. C'est ce que je me disais. Vous avez vu ça comme Kata a la flemme de faire un petit kilomètre pour venir me retrouver que je suis pas vraiment loin de la base, hein? Ah bah alors tu peux y arriver. Je suis que le gros bâtiment, tu sais, les ruines, là, pas loin de la base. Hein? Tu peux y arriver. Courage! Ouais. Ah ouais, je suis pas loin. Je te vois, là, ça m'a. Je vois ton nom. Je sais pas si on dit. Mais tu vois quand tu fais un effort. Ah, je suis là, Kata, je tiens. J'ai vu. Viens par ici, viens. Va t'en bas l'autre bout, Christy, viens par ici. Ah, enfin, pas trop tôt qu'elle arrive. Et pourquoi t'es pas monté sur ton lama? Parce que, pourquoi? Pour ça. Regarde, je marche comme ça, ok? Avec mon lama. Voilà. Ah ouais, Kata est parti à l'autre dans le monde. Il y a eu supercherie. Je vais manger les chocolats, je vais te donner. Ah bah vas-y. Non, je cherche les lampes pâles, les lampes balles. Capturer 5 lampes balles. Je sais plus si ils ressemblent à quoi les lampes balles. Les lampes balles là. Ouais. C'est le truc sur quoi que je suis. C'est le mouton blanc, je pense. Attends, je te dis ça dans une seconde. Je dis ça, mais je sais pas moi-même, là, mais je pense que c'est ça. Non, c'est des mille pacas. Ça peut pas être ça. Pacaline. C'est pas plutôt dans le sens n'importe quel pôle ça fait un job, genre? Non, c'est capturer 5 lampes balles. J'en ai 4, il y en manque un. Ouais, moi aussi. Je vois la base au loin. Je vois la base c'est bien. Au loin. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Je crois en toi. Loin. Un petit effort. Dans le fond, Kata est venu me voir juste pour me rire à la face et dire « Oh, moi, je continue par là. » Ben, tu te débrouilles. Non, c'était pour t'encourager. Je sais pas si tu m'aurais tapé les fesses, ok, non, mais après, c'est pas autre chose. Bon, juste la pâle, ça sert absolument à rien. Survivaliste qualifié. Je vais éviter de l'attaquer parce que je pense que je sais ce qui va arriver si je le fais. Oui, monsieur, regarde, je m'en vais, je vous laisse tranquille, ok? Je vous attaquerai pas. Pas envie de me faire défoncer. Oh! Faut pas comme ça.
Surtout que je marche à 0.1 km à l'heure. C'est un peu ce que je fais aussi. Non, toi, tu vas un petit peu plus vite que moi, Kato. T'es sûr? Ouais. Les pales, c'est quoi qui détruisent des arbres et des roches? Ouais. Ils nous récupèrent du bois et puis des pierres. Mais ils ont pas une zone pour la roche puis la pierre. Pourquoi ils attaquent des roches puis la pierre à la tête? Bah parce qu'ils ramassent. Écoute, ils bossent. On va pas leur reprocher de bosser. Mmh. On va me rendre avant, toi. Le petit pingouin, il ramasse les trucs puis les met dans le coffre. Mais moi, j'ai jamais compris le système du truc pour couper les... tu sais, là, le truc, là... C'est pas ça que je voulais, là, pour ma paix. Ton truc, la scierie, ils vont même pas dedans pour récolter le bois, ils prennent le bois autour. Ouais, je sais, mais il fallait la construire, donc je l'ai construit. Bah, c'est ridicule. Il doit y avoir un moyen, c'est peut-être nous qui faisons le code travail, regarde, je sais pas. Âme de petit Paul. Ah ben ils vont là, il y en a qui l'utilisent puis il y en a qui l'utilisent pas. Allez, je t'ai peut-être 3 secondes du coffre. Allez, je suis plus très loin. Je suis prêt. M'arriver avant 4 ans. Non, reste en arrière. Non. Ça t'est doublé! Enfin, je vais maintenir mon... Ah, enfin, je peux marcher. Ah, j'ai volé les balles de, les sphères de Paul dans la table, je crois que c'est... Ah, une torche jolie. C'est pas grave, je les ai mis à fabriquer, mais c'est pas grave. Ah, tu m'étonnes. Oh, merci. Ah ben, il n'a plus le bug. Ah, ils l'ont plus le bug. C'est le truc que tu essayais de réparer, puis il fallait que tu fasses 4-5 fois avant que... Ah oui, ouais. Ils ont toute faim. Le truc de bouffe est complètement... Ouais, vide. Ah, mais faut les faire cuire parce que je pense qu'ils mangent pas ça. Si, ils mangent des baies, mais. Mais ils en ont un près de leur camp, leur ferme. Donc, sur coup, ils mangent plus à la ferme qu'autre chose. Pourquoi il y a une sphère de porc là? Parce qu'il y en a qui pop des fois. T'as sauvé bien dormir. Non. Bonjour, je te regarde dormir par la fenêtre. Ah, ben, je peux pas dormir dans ton lit. Hein, oh! Dommage. Ah, me fait rire ton perso qui se lève.
Ah là là. Ah, tu fabriques des clous. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ça se bastonne. Ah non, il a ramassé. J'ai cru qu'ils étaient en train de se bastonner les deux là-bas. Merci, je suis au courant. Ça part d'ici, pas de déprime, c'est le rire qui prime. Pas d'amis, pas besoin de courlis, du monde est bienvenu. Pas besoin d'un cœur, et tout le monde est bienvenu. Coucou à Mekli, merci pour ton raid. Ah bah dis donc, c'est ma journée, tout le monde me raid aujourd'hui. Non, il y en a pas. Hey, pourquoi il y a un coffre dans notre camp que tu n'as jamais ouvert? Il y a un coffre dans... Bah parce que j'avais pas la clé, je crois. Médicaments, du pain puis de l'eau, voilà, c'est tout. Oh, nouveau jingle! Ouais, c'est petit Piwi qui nous l'avait créé. C'est vrai que bah elle est en point de chaîne pour pouvoir la mettre en quand vous voulez, mais après je trouvais qu'on l'entendait pas assez et que pour le raid ça correspondait bien. Alors. Comment tu vas, Mekli? Et t'étais sur quoi? Et comment va ta pépette? Elle était sur Zelda, je pense. Ah, moi, je me trompe. Ton bas ne s'en sort pas avec ses tâches? Ah, on a un pâle dépressif. Il a trop de taf, il sait pas quoi faire. On dirait moins le soir quand je sais pas quoi faire. Stream d'anniversaire 12h, 12 jeux. Wow! On peut faire un arc en feu? Un arc de feu? Ouais, il y a un arc poison aussi. On peut faire des flèches poison pour faire. Si, tu regardes. Non, j'ai juste l'arc de feu moi, j'ai pas l'arc. Ouais, c'est parce que t'as pas débloqué, c'est tout. C'est l'huit, mais j'ai pas. Et la pépette a 2 points de suture sur la carte de chez ses grands-parents. Sérieux? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a essayé l'évasion par la fenêtre? Ça n'a pas marché? Quel Paul qui est malade? Je sais pas si tu disais, regarde, mais j'ai des médicaments, hein, j'ai remonté dans le... Non, il est pas malade, il est en dépression, il s'en sort pas avec ses tâches. Fallait lire si c'est marqué. Alors, ton Paul est malade. Fabrique des médicaments sur une table. Pour c'est pas ce pal-là. Tu as un pal qui est en dépression parce qu'il s'en sort pas avec ses tâches. Hey, il est en train de m'énerver, elle, tu penses? Ouais. Il y a les cototes. Bah, j'étais pas. Crotte de bique, voilà. Non, je crois qu'il y en a pas. C'est quoi le coffre qu'il y a? Bah, il y a rien, c'est quoi, il y a un coffre là. Bah, pour te montrer un coffre. Peut-être des clés? Il faudrait? Non, non, un coffre en bois sur notre terrain qui est vide. Ah, près des fermes, c'est parce que c'est pour éviter qu'ils fassent toute la route pour nous déposer les pierres et les machins. Ben, à côté de la petite clochette que t'as mis. Ouais. Parce qu'en fait, autrement, ils font trop de route et ils en déposent la moitié ailleurs que sur la route. Tu sais, ils sont un peu feignasses hein, quand ils veulent. On peut le mettre à attaque des intrus. Ouais,
Elle s'est vautrée comme d'hab, mais à 50 km des parents, c'est plus rigolo l'hôpital. Peut-être miser un peu gros là. Ah non. Ah bah bravo, Kato. Quoi? Qui est rendu boulimique. Mets-le au régime. Ah, c'est marqué à côté, c'est ton truc mauve là, je sais pas quoi. Là. Ouais. Sur alimentation, on dirait que le stress l'a rendu boulimique. Ah bah voilà, il est trop stressé par ses tâches, sur coup il s'est gavasse. Non mais je te jure. Meline, le joli Pokémon. Alors, c'est pas des Pokémon ici, ce sont des pales. Mais j'avoue, copier-coller est assez... La mienne, maintenant, arrêtez. Mais non, il y a toujours un mon nom, elle va répondre. Regardez, bah, regardez-moi oui. Bien dans 2 minutes. Elle merci pour le SO. Mais non, pas dans la... J'ai vu. Au cas où. Je vois mon chat, au cas où. Est-ce que ça me surprend? Non, ah, c'est un peu mon boulot, hein. Oui. T'es sûr que t'en parles, ils mangent les baies rouges pas cuites? Oui. Ils en ont mangé plein parce que je leur en ai mis plein, mais en même temps, dans les cultures, ils en récoltent, alors sur coup, ils les bouffent au fur et à mesure qu'ils les récoltent. Alors voilà. À utiliser sur un pôle pour lui faire apprendre mitraille graine. Ah oui, il va prendre les graines et il va faire une mitraillette avec. Voilà. Captiva a appris une nouvelle compétence active mitraillette. Un exemple peut être modifié à l'écran pôle. Ben, moi, je suis curieux de savoir comment tu l'utilises. Donc. Nathan était un peu fort. D'accord, attends, on va faire un test. Avant que mon pal le tue. Comment qu'on fait pour qu'il fasse mitraille graine? Amusez-vous bien! Eh ben merci à Mekli et merci beaucoup pour ton raid! C'est super Zanti et tu feras des bisous sur l'arcade de la demoiselle! Qui fait des cabrioles! Quand t'allais pas avec papa et maman! Non mais je vous jure! C'est Kato qui faisait des cabrioles! Non, moi j'ai jamais fait. Plus jeune, c'est ça qui a fait des cabrioles. Ah, je faisais pas de cabrioles, moi. Et sage comme une image. Depuis, ça a changé. Ça, tu fais des cabrioles, puis tu fais des. Non. Ah, c'est beau voir tout ce petit monde-là travailler. Et notre dépressif a fini de faire, a fini sa dépression ou comment ça se passe? Ah non, il est encore boulimique là. Il roule. Il va bien, il roule. C'est le truc mauve avec les ailes là. Ouais. Voir les détails. Mais essaye de le changer de poste. Peut-être mets-le sur un autre poste parce qu'il a pas l'air heureux au poste où il est. Ne peut être trompu, peu importe la quantité de nourriture ingérée. Il doit recevoir des médicaments rapidement pour guérir. Oh. C'est juste ça. Attends, on va t'arranger ça. Signe ça, mon gars. Ouais, en bas sur la table. Oui, oui. Alors. Ah, oh, je m'en tape. Toi, tu penses, c'est ça que je dis. Comment qu'on fait pour lui donner. Je suis tenté de lui donner comment ces médicaments. Faut-tu que je l'enlève et que je le mette sur. Ouais, peut-être que tu le mets au repos et tu le mets sur ton perso et tu lui donnes les médicaments en cliquant directement dans ton sac. Bon, toi là, tu commences à me les. Mais non, mais il est rigolo, lui, je le veux. Mais j'arrive pas à le taper.
voilà. Il n'est plus boulé, mec. Ça va, c'est réglé. Hein? Ah, ça y est, je l'ai eu. Ah! Mais non, fallait pas le tuer! Bah, trop tard. Ah, bah, c'est le cas de le dire. T'aurais dû le ranger avant qu'il attaque. Hein. Oui, mais pourquoi il est si brutal? Voilà. On va en sortir un autre, il sera moins brutal. Il était rigolo, lui. Il ressemblait à un canard avec un bec. Oh, il est beau, lui. Les pâles à Kata, là, sont venus en train de tout crever de faim dans un inventaire. Mais non, mais non, mais non, mais non. Ils vont bien. Mais ah oh bah ben, il l'a zigouillé. C'est sur la table des travaux manuels que tu fais les sphères de pâle? Sur l'établi? Ah ok, ici. J'étais pas si bon. Autoriser le transport des... Non. 28, allez go. Viens là mon petit coin-coin là, je t'ai retrouvé. Où le petit pingouin il vient m'aider? Non, j'ai rêvé en couleur, je l'ai vu. Il est juste bien bugué. En tout cas, au moins ton fils a du fun, c'est le principal. Non. J'ai chopé un fiac. Un fiac. Il s'appelle un fiac. Voilà, 28 de fer. J'aurais en avoir assez de ça, là. Ah! Une méga sphère. Ah, ben ça, c'est intéressant, là. Oh, purée, j'ai été loin de la... J'étais un peu loin de l'Amazon. Je sais pas si tu vois les points que moi j'ai déverrouillés. C'est la raid qui peut voler. C'est le petit truc sous-marin qui vole. Là. Il est bleu. Ah, je sais, je l'ai. On n'en a pas de petit beau, j'en ai pas en tout cas. Là. Moi j'en ai chopé. Ben oui, mais toi. Elle est là. Tiens. Voilà. 51 de bord de fer, vas-y. No data. Ah non, c'est juste les tours qu'on peut stepper, je comprends. C'est comment tu stepper, je comprends pas. Pourquoi il y a un pôle qui s'est écrit absent? Il y en a-t-il un qui est en train de faire une dépression? Ça, c'est fort possible. Il y en a un qui est fatigué, il y en a un... Et les autres, ils sont en forme. Non. Ouais, c'est bien que d'autres. Attends, parce que je regarde mon pal, parce qu'il dit transport en cours. Ah oui, regarde, hein, c'est papa, regarde.
T'as un loot qui est en train de se faire un jacuzzi, quoi. Ça va, tranquille Ah, bah, il a l'air en plein fun, hein. Regarde la tête qu'il a. En plein fun, le machin. Il a un sourire large jusqu'aux oreilles. Il te va maillot de bain, c'est pour ça. Mais il est tout seul, hein. Moi... Eh, j'aime bien les descriptions dans le truc. Il est paresseux parce qu'il est un peu fatigué. Je te jure. Ouais, moi aussi. Moi, je parie. Moi, je suis fatigué aussi. Ouais, moi aussi. Ce soir, j'avoue que ouais. Je m'en fous, cette boîte. Non, je m'en fous. Bah, tu t'es arrêté là, genre. Non, on va finir le temps, hein. Tu rigoles ou quoi? De toute façon, dans un quart d'heure... Ah, mince, j'ai marché dans le feu, je crois. Ah, oui. Ta souille. Bah, étant donné que tu m'as pas sauvé, je suis à ton feu. Ta souille. Allez, viens-t'en, suis-moi, viens, allez. Allez, viens-t'en, allez. J'aime bien ma petite méduse là-bas qui vole là et qui bégaye. Regarde comment elle arrose tout. Elle fait pleuvoir sur tout le monde. Limite, les pales sont en train de prendre une douche en dessous. Moi, ce qui me trouve drôle là, c'est pourquoi t'as fait ton perso aussi gros que ça en fait. Bah, parce que comme ça, il me ressemble. T'as pas l'air si grosse que ça, Kato. Arrête, prends le compliment puis chute. J'ai mis où le bois? J'en avais mis plein de bois, maman. Ils l'ont peut-être rangé, parce que tu vois, regarde, ils sont en train de transporter pour ranger. Il y en a là, mais je sais pas si... Je sais pas si je vais en avoir assez. Ça va être long, je le sens. Tant que tu le sens, ça devrait aller. Ouais, ça va. Il m'a aidé 2 secondes, puis... Ah, j'ai faim! Eh oh! Tout travail mérite réconfort, hein. Alain. Ah, bah tu vois, le truc violet, il est reparti bosser, et puis il est à fond, hein. Tu vois, il suffisait juste un peu de jacuzzi. Tiens. Je suis rendu avec un arc de feu. Mm-hmm. Mais j'ai pas de... J'ai l'arc, mais pas de flèche. Voilà. Peut-être. Je m'en fous de ta poule. Il n'y a plus de bidule qui vole. Tu veux que je t'emmène dans la zone où j'en avais? M'en aller dans le truc de Paul là. Bon, ici. Le truc ton bidule qui vole. Peut-être que je l'aurais pas parce que je l'ai pas vu. Bah c'est une zone précise, il y en a plein où j'étais. Hein. Normalement, il se pose de l'eau, théoriquement, normalement. Ouais, mais il est dans une zone précise et je peux t'emmener. Ah ouais, j'allais y aller. Lieu. On peut-tu voir le lieu? Et moi, je l'ai débloqué. Est-ce que toi, tu l'as débloqué, par contre? Ce serait la bonne question. Ah, c'est ça, il y en a plein qui se bordent de l'eau. Bah ben, moi j'ai débloqué, j'allais dans mon truc, dans mon encyclopédie de Paul là. Mais... Moi j'ai été jusqu'à la côte traversante. Et là-bas il y a plein, il y a les petits pingouins, il y a les... celui qui vole, il y a plein de...
Ah non, j'ai pas été jusque là. Ouais, ben moi j'y étais. Bah ouais, t'as fini de t'inventer, moi. Moi je suis parti à l'aventure. Ah, m'entends pas, elle avance là. Ben, arrange-toi avec tes problèmes. De quoi? Je suis toujours au camp, hein, je te signale, au cas où. Ouais, c'est ça que je te dis. Ouais, c'est ça que je te dis. Je suis toujours au camp, tu me dis, ouais, c'est ça que je te dis. Ouais. Tu les veux, tes flèches? Ben, j'en ai des flèches. Non, mais des flèches de feu. Est-ce que tu en veux? Ben, des flèches de feu, c'est des... Tu prends des flèches normales, non? Non, c'est des flèches de feu. Bon, j'ai des flèches normales qui se sont pas... qui se sont pas, malheureusement pas équipées. Je t'en ai mis 6 sur l'établi à faire. Sérieux, je suis parti avec une seule flèche. Mm-hmm. Bon, ben, tant pis. Ça risque d'être un peu court. Je retournerai pas en base, je vais pas aller chercher des. On va sortir une autre demain. T'es parti où? T'es parti vers où je t'ai dit ou t'es où là? Je sais pas, je me promène chaud pour le jeu. Ah, je te vois. Ouais, toujours tout droit. Non. Ouais, par là-bas, toujours tout droit. Ouais, mais il y a de l'eau ici. Toujours tout droit. Je peux passer par la côte, hein, c'est pas obligé de passer par l'eau. Lui dire, hein. Canu, tu vas dormir sur ton plancher à soir. Oula, qu'est-ce que c'est là? C'est quoi ce gros bidule là? Capricti. Un gros trait, un buisson sur le dos. Ouais, y'a des nouveaux, ouais. Bon, j'ai pas de flèche, moi, y aller avec ma batte de baseball. Attaque! Éclair! Non, c'est pas ça. Pikachu, attaque éclair! Ah, il vient de lancer des graines au visage, ça. Je le surveille parce que je veux pas qu'il le tue. Ah, bah ben. Mon Paul, il s'est fait tuer. Là, c'est ça. Ok, alors toi, ça va, ta vie? On va peut-être se calmer, tu vas rentrer dans ta boîte, toi, hein? Oula! Non, rentre dans ta boîte, j'ai dit! Je suis désolé, les sangliers, j'avais pas prévu qu'elles vous zigouilleraient en 2-2. Stop! Ma boîte, mon truc a rebondi sa roche, puis ça l'a raté. Hop! Tu commences à me taper sur le système nerveux. Hey, pourtant, toi, t'as toujours eu une patience d'ange. J'ai capturé un Capriti. Ah, j'en ai un, je crois, il me semble. Chiouf! Avec... le truc vert sur le dos, un genre de buisson sur le dos. Là. Ah non, je suis peut-être pas là. Ah, lui, c'est la... Ça, il peut planter, puis il peut faire la ferme. Je sais pas c'est quoi ça veut dire. Bah, il peut arroser, récolter et tout ça. Le buisson sur son dos porte des baies lorsqu'il n'est pas affamé. Si le partenaire qui l'intéresse accepte de le manger, de les manger, il formera un coup. Hein? Pas ses baies sur ton buisson, ok? D'accord. Je ne mangerai pas ses baies. Tu as demandé de te marier avec lui. Oh, ça va, sois pas jaloux. Laisse-moi dans ma jalousie, ok? C'est dans ta folie, moi, je suis dans ma jalousie. C'est ça.
Chacun son délire. Ah, c'est quoi celui-là? Je le connais pas celui-là. Oh, j'essaye. Oh! Oh, il est pour Zazouille celui-là. Ah ah! Mon poids m'a téléporté. Tiens, pour Kata, j'ai trouvé la folle là. Qui est dépressif, qui s'appelle Dépresso. Ah oui, ben je l'ai celui-là. Il est niveau 5. C'est quoi, on va essayer de le choper. Paul, go! Allez, petit singe! Oula! Ah, il m'a eu! Ah, fuck off! Je l'ai rappelé trop. Je t'ai pas rappelé assez vite. Viens-t'en! 27%. Ah, j'ai trouvé un sacré pal là, purée, si on pouvait l'avoir. Je suis sûr que tu serais content. C'est un espèce de gorille qui tape sa poitrine. Moi, j'aurais tapé autre chose, mais bref. Oui, oh. Tu sais, j'ai le petit hibou qui vient vers moi avec un petit point d'exclamation au haut de la table, m'a dit mais vous faites quoi? Adieu au monde cruel. Je l'ai. Ouais, j'ai un dépresso. Ah. Voilà. Ah, vas-y, petit singe. Trucide-le. Stop, reviens! On va le tuer. On devrait vraiment être Pokémon. Reviens! Ah ben ouais. Ah ben nickel. Un endroit où j'ai jamais mis les pieds. Note de naufragé. Là, je m'en vais. Là, en vrai, je sais même pas où je m'en vais. Là, je suis rendu dans le coin des hiboux, des moutons. Fuck off, c'est pas ça que je vais faire, mais pas grave. Tiens, j'ai capturé ton dernier labdol, je sais pas quoi. Là. Ah ouais, je l'ai déjà fait. T'as pris un bouclier normal. Ben, à chaque fois que je fais de quoi, tu dis non, je l'ai fait. C'est bon. Ah, l'éléphant. On en a un. Ah oh bah, tu peux en... pour toi, tu peux en capturer. Hein. Non, faut pas le capturer, non, faut petit. Et alors? Tu le réveilles, tu lui dis saute dans la Pokéball. Pokéball. 80%, je suis quasi sûr que ça passe en vrai. Même pas? Non, mais sérieux. J'adore le. Je suis quasi sûr que ça passe! Bah, en fait, non. Une grande quantité d'eau s'écoule de ce qui semble être sa trompe. Il ne se dirait pas. C'est vrai que du mucus naval. J'avais dit naval, mais c'est nasal, pas naval. Hey, j'ai plein de méga des méga pôles, c'est pratique ça. Je trouve pas la zone en cœur. C'est bon, j'ai rien dit. Une sphère de parle. Go Pokémon, vas-y. Et comment tu fais les clous déjà? La forme. Tu sais quoi la forge? Ouais. Ah, bon ben ils viennent de s'évader sur l'eau. Bon, on va faire ça.
On a une forge. Ben ouais, on a une. Elle fait juste des lingots, elle fait pas de... Non, elle fait des clous kato. J'ai été voir, elle fait que des lingots ou du charbon. Non, elle fait des clous. À moins que c'est moi j'ai pas déverrouillé le truc des clous. C'est le truc à la balle au fond, là, le petit rond avec la grille dessus. Là. Ouais, mais j'ai pas dû déverrouiller les clous, c'est pour ça. Faudra que tu en fasses des clous. On va en avoir besoin. Les clous, ben j'ai des pas. Les clous, tu déverrouilles pas, ils sont directement dedans. Hein. Non. Parce que moi, j'ai pas les clous dans ma liste d'objets débloqués. J'ai combien? 7 points. Là, j'ai pas de clous. Ah ben non, t'as ben raison. C'est niveau 10, faut les débloquer. Ouais, puis moi j'ai passé toutes mes technologies, donc je peux pas faire. Je comprends pas du comment je peux faire des clous si je les ai pas. Bravo. C'est bon, je les ai débloqués. Kata, elle débloque à random. Moi, je débloque vraiment, là, étage par étage, 8, après 9, 10... Ah ouais, mais tu perds... t'as des trucs que ça n'a pas besoin de débloquer, en fait. Ben, je pense que tu peux avoir des points à l'infini, non? Je sais pas. Non. Ben, je sais pas. Téléchargement fini. Ah bah ouais, mais moi il va bientôt aller d'auto. Waouh, l'arbre, calmez-vous. Je peux pas tout débloquer, mais presque. C'est vrai qu'il faut faire un léger choix. Bah, c'est nul. Du coup, dans le fond, c'est que le mieux entre. Ah ben là, on peut pas vraiment faire de choix entre l'habit des montagnes pour le froid ou le chaud. Fait que c'est j'ai ça. Une tenue chaud ou froid. Mm. Alors, du coup, je prends les deux. Voilà. Puis je débloque les clous. Voilà. Ok, pharmacie. Tu sais, comme la lance en métal, est-ce vraiment utile? Moi, je l'ai pas pris. Normal, c'est niveau 13 que t'as des niveau 13, oui? Non, mais je la prendrai pas. Comme la torche à poser, bof, j'aurais pas dû la prendre, mais bon. Bon, après, tout ce qui est déco, faut éviter parce qu'honnêtement, ça sert à rien, quoi. Ben, ça éclaire les environs. On veut dire que ça sert à quelque chose. C'est pour éclairer ton chemin. Comme l'alarme, je sais pas pourquoi. Quand ça aide. Si l'alarme, c'est pour prévenir s'il y a quelqu'un qui rentre dans le camp, qui fait pas partie du camp, tu la sonnes et ça permet que t'es pas à l'attaque. Ah, ensemble de plantes décoratives, ça, en vrai. Voilà.
Qu'est-ce qu'on pourrait mettre qu'on n'a pas déjà mis? Après, ce qu'il faudrait faire, c'est de prendre que les objets, genre, de fabrication, les établis, des affaires-là. Ben, bah, moi, c'est ce que j'ai fait, hein. Moi, c'est ce que j'ai fait, hein. Armes, équipements... Ouais. Tout ce qui est déco, tout ça, je le prends jamais, hein. Parce qu'autrement, ça sert à rien. C'est pour ça que j'ai pas déverrouillé grand chose par rapport à toi, hein. C'est que je prends vraiment ce qui... Bah, il est pas trop tard pour me ressaisir, j'ai rien fait cette tranchée pleine. Comme le truc source chaude, ça c'est pour que tes pas le récupèrent. Fait que ouais. Je viens de le mettre. Sac de sable. Pour le guet, pour qu'il y ait un ennemi qui approche, parce que c'est vraiment apprécié. Pas vraiment. Oui. Ensemble de meubles de rangement, ça sert à rien. Établi pour faire. Ça, on va en avoir besoin pour améliorer la. Ce que j'ai fait. J'ai réussi à faire l'autre évolution du camp et sur coup il nous faudra la glacière et l'établi pour se faire pour la prochaine. Comme ça ici, cache d'observation pour observer les cas, les pôles que t'as pas capturé tes madames, tu as juste les observer. C'est ça. Bof. Plateforme de surveillance. Bof. Après les coffres, ça c'est tout le temps pratique pour les débloquer en vrai. Ouais. Les remparts, bof. Ça, c'est pour le chauffage, pour si t'as trop froid, ça peut être utile. Ça, c'est la cuisine. Ça, si tu veux faire des une maison avec des structures en pierre. Un gros cube de glace comme climatiseur. Tapis, on s'en fout. Ensemble de chaises, ensemble d'armoires. Tout ça, c'est déjà exclu. Même les toilettes. Impossible de faire ses besoins dans la toilette. Ouais. Je sais pas, c'est bizarre. Pioche et casse. À l'installant sur le camp pour accroître la vitesse de travail. Ah, ça peut être intéressant. Hein? Bon, je suis rendu niveau 30. Là, je suis rendu. Ouais, faut vraiment y aller. Faut que tu choisisses. Ah, ben faut choisir. C'est pour ça que depuis le départ, je choisis, moi. C'est comme Conan Exile, c'est la même chose. Je peux pas tout débloquer. Sinon, ça serait comme un peu trop facile. J'ai créé un remède, je l'ai mis dans un des coffres. C'est un remède facile, mais bon, si jamais des pales sont un peu affaiblies, on peut leur donner. Construire l'incubateur, oui, mais c'est parce qu'on l'a pas l'incubateur. Ben pour l'instant, on l'a pas, ouais. Le jour où on l'aura promis, on le fera avec plaisir. C'est quoi ça? Pourquoi j'ai comme une genre de comète sur la map? Mais ça, c'est comme ça. Oh, faut que je fasse. Île marécageuse. Donc, je fasse. Il y aurait un boss dans le coin. Domaine de l'intrépide. What the fuck, c'est quoi ça? Ah, c'est un boss niveau 23. On va peut-être éviter. Ah, peut-être ça. Ouais, voilà. On va peut-être pas non plus totalement. Oh, il y a plein de trucs. Oula, oulala. C'est quoi ces petites bidules-là? Oh, c'est bien beau, ça. Attends, il y en a ici. T'es niveau quoi, toi? Non, va-t'en pas. T'es niveau quoi? 4. Tiens. Ah, elle crache du feu. Ah, dans un des établis, tu as tes flèches en feu, si tu veux. Stop! Je vais le tuer. J'ai pas envie de le tuer. 80%. Regarde. Les roybies, souvent, ne tombent jamais malades. Consomment un morceau de charbon par jour, obtenant en brûlant un bras, une branche et un secret de sa santé de fer. Bon, ben, j'ai un truc qui crache du feu. Pécab. Tu vas cracher le feu.
Nous cacherons jusqu'à je tue, parce qu'on peut faire n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est? Ah non, c'est un truc. Ok. Ah, c'était quoi? Moi, c'est la petite comète qui m'intéresse. Je sais pas si. Ben, va voir. Voilà, c'est, si je me rends, là. Je sais pas si je me rends, ouais. Ah, un éléphant. C'est une affaire niveau 40 que je pourrais pas tuer, là, de toute façon. Niveau 31. Là, on va le faire, je vais on va le laisser tranquille. Serait où? Ok, je suis complètement en train de m'éloigner. Je suis à 125 000 km de lui, mais tout va bien. Ah, il y a une grotte là. Je sais pas si... On va quand même peut-être éviter. C'était quoi ça, Zou? C'est une grotte de quoi, ça? Grotte de l'île isolée. Boss level 13. Personne en 264 minutes, j'imagine. Je veux rentrer, je veux voir c'est quoi. Je vais pas être capable de ressortir pendant après. C'est ça? Pas de problème. Ah, c'est une mine. Ah, oh, ok. Non, non, c'est bon, je peux ressortir. Oula, c'est bien beau ici. Hey, j'ai trouvé des chats en sphinx. Yeah. Ça peut paraître drôle ce que je dis, mais il y a un truc en métal au bout de la queue. Les rendre dans la petite Pokéball. Les tissus durs de sa queue ne se détériorent pas, même lorsqu'elle est coupée. Ce phénomène a longuement été associé à la bonne fortune. En traînant le braconnage et la maladie, blablabla. T'as vu ça? Le bout de sa queue dure. Ah, ok, c'est des petits boss, mais ça, je peux pas les tuer, ces boss-là. Je suis pas sûr que ça me tombe de m'essayer. Ben. Niveau 10, ouais, ça va être compliqué, je pense. Il y a de l'eau partout, il y a de l'eau à grandeur. Comment tu veux que j'aille là? Je ne sais pas moi-même. Champion des cavernes. Ah, ça va, j'ai... Pourquoi il y a un méga grouille-bout de la mort au milieu de la pièce? Ah ah! C'est peut-être lui le boss. Je le sais pas. Ah. Il s'appelle. Attends, le truc bug là. Moi, tu vois le nom, Motadine. Je sais pas, mais je sors un pauvre, je l'attaque. Ah! Bon, tu n'es pas la meilleure idée du jour? Ah, il est niveau 10. Ah, ben ça va. Ça va pas être trop dur. Je suis niveau 10. Ah, ben là, tu sais que tous les bouts s'en mêlent. Ah, il y en a un mort. Cool. Mon Paul, non, il était pas mort. Je pensais qu'il était mort.
Ça va, il me fait pas tant de dégâts que son arbre. Je sais pas si je peux-tu te capturer. Un peu. À 8% de chance. Attends. Oh, 35. Oh, oh, j'ai capturé le gros. Ah, ça y est. Puis après, est-ce que c'est vraiment un gros? Je ne penserais pas. Je pense pas qu'il soit si gros que ça, mais qu'il sorte du truc. Là, oui, je suis content. Ça crée moins de patience. Ah! Oh! Akata! Quoi? Akata, tu vas être content. Quoi? Un livre traitant d'une technologie antique perdue. L'utilisation fait gagner des points technologiques antiques. Voilà. Tiens, j'ai débloqué. Alors, veux-tu la bonne nouvelle? Non, veux-tu la mauvaise nouvelle? La mauvaise nouvelle ou la très 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 mauvaise nouvelle? Vas-y, on va. J'ai débloqué un petit sac de nourriture au lieu de l'incubateur. Je me suis trompé, voilà. Bon, c'est pas très grave, je sais comment les avoir les points. Mais... pas grave, là. En vrai, là. Voilà, alors tu peux m'assassiner si tu veux. Non, ça va aller. Ben oui, je les ont fait. Désolé de te décevoir. Ben là, je suis triste, là. Oui, oui, je sais. Tu attendais que ça que je t'assassine. Là, attends 3 minutes, je veux juste essayer quelque chose. Ouais, par contre, après, j'irai dodo parce qu'honnêtement, je fatigue. Oui, non, j'ai un téléport juste là, là. Moi, je t'inquiète, t'inquiète. Je vais juste tester quelque chose. Les pâles que tu captures, ils vont dans ta boîte de pâles, c'est ça? Ils vont dans la boîte à pâles, oui, si t'as plus de place ouais, sur toi. J'ai essayé ça. Attention, Kata, t'es prête? Je crains le pire. Et où? J'arrive, je retourne au camp. J'arrive. Mais là, je sais pas qu'est-ce qui... Ouais. Hey! J'ai capturé un hibou avec un chapeau. Mais il est énorme! Ah, c'était un boss que j'ai capturé. Mais t'es pas plus petit? Non. À part attaquer. Il sait pas faire autre chose? Non, il peut juste attaquer. Ah bah au moins il surveillera le camp. Attends. Si je le mets dans la liste de Paul, peut-être. Non, parce que quand tu vas dessus... Ah, non, attends, peut-être. Il peut faire de la cueillette. Par contre, il bouffe énormément de nourriture. Par contre. Ouais, ben non, garde-le dans tes poches. Alors, on va le prendre. Je vais le remplacer par... ben, par personne, parce que ben, il n'y a plus vraiment de place, en fait. Fait que c'est ça, en gros... Les boss que t'as dans les grottes peuvent te donner des points antiques. C'est pas que les boss dans les tours, en fait. C'est ça. Donc, j'avais raison. Tu peux couper si tu veux. Ah, point de statut disponible. Ah, ok, les points ici. Plus de vie, toujours plus de vie. Moi, il fallait que j'aille manger de toute façon, 4h30. Tiens. Ah! Non, mais j'ai le pistolet là, tu sais, pour le Lumpy, mais je sais pas comment on lui équipe. De quoi? Le pistolet?
pistolet? De quoi tu... What the fuck? De quoi t'as tout un... J'ai fabriqué un pistolet mitrailleur pour le Lumpy, mais je sais pas comment on l'équipe. Ah, et j'essaie de le trouver. Oui, c'est celle-là que je t'ai fait, que je te dis. Des flèches de feu. Modèle d'information. Allez, à faire lire un Paul pour... Oh, ok, c'est pour les trucs. Mais... Me dis pas que j'ai perdu le pistolet. Mais je sais pas, je l'ai fabriqué dans l'établi là-haut. Dans l'établi à pales, mais je sais pas... est-ce que ça s'équipe automatiquement ou... pistolet mitrailleur réservé aux Lumpy monte sur la tête du joueur quand l'utilisation d'une compétence du partenaire est accompagnée de son attaque. Ah, c'est pour un pal, c'est même pas pour toi. Non, c'est pour le pal, oui. Comme t'as la selle, là j'ai la selle pour mon pal qui peut gambader, mais faut que j'ai, je trouve des cornes. Alors, 14. Ouais. Un petit sac contenant de la nourriture, le bol jusqu'à un emplacement d'équipement pour repas automatique. Ah, ok, c'est quand tu te balades dans, avec ton pôle puis tu nourris en nature. Mais sois heureux, ouais, ben... tu vas nourrir ton pôle au fur et à mesure qu'il va avancer. Le pistolet, je pense qu'il te faut une, un truc technologique pour l'utiliser, je pense. Non, je pense pas, apparemment c'est sur le pôle, mais en fait tu le vois pas obligatoirement, mais c'est une, un attribut en fait qui se débloque pendant les attaques. Ok, ben donne-moi donc ton pistolet, je vais l'essayer, je sais pas. Après, c'est comme tu veux. Ou sinon, j'invoque mon grouille. Hein? Arrête, il est en train de bouffer toutes les baies, là. Oh, arrête-le, lui. Rentre-le dans sa boîte. Ah oui, il avait faim. Ranasque. Regarde ça. Il a bouffé. Il a bouffé. Regarde, il a bouffé tout le terrain de baie, quoi. Allez, va manger, mon petit hibou. Ah, il a plus faim. Ah bah, tu m'étonnes, il a bouffé tout un terrain. À lui tout seul. Regarde, petit hibou. T'as de la bouffe, là. Coucou, maman, on va aller au dodo. Hein. Ouais, bah, dans le fond, on s'en fout. Voilà. Construire glacier, construire établi. Ah, oh, ouais, bah, là, on est pas en gros, là, on va. Non, ah, j'ai des rubis. On peut les vendre, je veux. On les met dans le coffre. Un marchand peut s'acheter à un prix élevé. Ah, ouais. On peut les mettre aussi dans le coffre pour, au cas où qu'à un moment donné, on doive construire des choses avec. Enfin, mais une grande quantité d'informations, une technologie perdue. Sa valeur inestimable sera très convoitée par tout humain qui serait... Oh, ouais. Non, tiens, le rubis, c'est juste pour la vente. Hein. Tu peux rien fabriquer avec ça. D'accord. T'es prêt? Ça fait longtemps que je suis prêt, hein. Je peux même te le montrer que je suis prêt. Hein. Hein. Retour à l'écran titre, voilà, en même temps. Ah ouf. Oui, ma fille. Oh, je suis claqué là. Ouf. Hop. Hein? C'est quelle partie qui est en moi, en solo, là-dedans? Je sais pas, celui niveau 20. Je sais pas. J'ai trop de parties, je sais plus à quelle salle. Ouais, ben moi c'est pareil, quand j'ai allumé là, j'avais 5 parties. J'y ai, c'est quoi ce délire? J'ai l'île des fous, Palapagos Islen ou le Imazaki Islen? Ben Imazaki Islen, ça va être toi, hein? Ben j'imagine, je l'ai mis en multi, je sais pas pourquoi. Là. Enlève le multi. En facile. Non, on va laisser en normal quand même. Ah non, j'avais modifié. Pourquoi j'avais modifié quoi là-dedans? Ah ouais, j'avais mis le truc en camp de mort que je perds tous les objets ou rien en fait. D'accord. Aucune perte, hein. Ça peut être une bonne idée. Le reste, je l'avais pas vraiment touché, je pense. Oh, Zazouille. Non, le reste, j'ai pas touché. Ouais, Zazouille, je te dis à demain. Ouais, dans 2 ans, c'est bon. N'importe quoi.
te dis à demain, bonne soirée. Oh, et c'est bon, dans 3 ans. Bye bye. Ah, c'est bon. Alors, j'ai trouvé une chaîne de Palworld à Raid. Il n'y a plus beaucoup de chaînes et en plus, le 3 quarts sont en follow, quoi. Je comprends pas les gens qui mettent, qui sont tout petits, qui ont une personne sur leur truc et ils mettent follow. Mais non, en fait. J'ai toujours pas compris. Moi, sur coup, je vous dis à demain. Demain, je ne sais pas à quoi on jouera, je ne sais pas avec qui on jouera. Ouh ! Mais on se retrouve demain, ça c'est sûr. Donc on verra à ce moment-là ce qu'on fera. Moi je vous dis bonne nuit et à demain.